C'est le moment justement pour nous de revenir sur la gestion de la crise requin à La Réunion. Gestion confiée au CSR, le Centre Sécurité Requin, géré par la sous-préfète de Saint-Paul, Sylvie Sandre. Plus de 10 ans après le début de la crise requin, la pêche est-elle toujours destinée à être la base de la stratégie de sécurisation du CSR, sachant que c'est un sujet qui fait débat? Réponse de Sylvie Sandre, qui est donc sous-préfète de Saint-Paul depuis le mois de mars dernier. La pêche était un préalable évident avant de mettre en place des mesures de protection comme des filets de baignade, comme les onex. Il fallait vraiment être vigilant sur la présence, réduire la présence de requins autour des zones d'activité nautique. Aujourd'hui, avec l'évolution constatée d'abord de la moindre présence de requins considérés comme dangereux, les opérations de pêche vont être réduites au profit de déploiement de protection plus importante sur le littoral. Depuis le lancement de la pêche préventive, le nombre d'individus capturés a en effet considérablement diminué. Les pêches sont aussi mieux ciblées pour limiter la capture d'espèces dites accessoires. Mais le CSR, ce n'est pas seulement de la pêche, c'est aussi la réouverture progressive et sécurisée de la mer aux usagers, notamment aux surfeurs avec ses onex installés sur des spots mythiques comme la gauche de Saint-Leu ou celle de la Tortue, des dispositifs qui ont fait leurs preuves. Sylvie Sandre. Aujourd'hui, ce sont des zones expérimentales, hein, puisque il faut les tester avant de s'assurer de leur efficacité. Elles ont démontré leur efficacité. On ne les appellera plus maintenant expérimentales, mais toutes celles que nous déploierons seront des zones aménagées qui permettront de la pratique alors du surf, du paddle, de la baignade, quand la configuration du littoral concerné le permet. Et oui, c'est ça. Alors, dans ces différentes opérations, le CSR met en place de la pêche, mais aussi des filets de baignade, des vigies requins, la recherche scientifique, les équipements de protection individuelle, les onex dont on vient de parler. Les activités du CSR sont nombreuses pour assurer un retour sécurisé à l'eau. On y reviendra dès demain matin dans la suite de ce fil rouge de cette semaine, notre interview de la sous-préfète de Saint-Paul, Sylvie Sandre.